Banjo and Kazooie! Donkey Kong! Bonjour, c'est le stream, c'est la Samus qui s'est fait défoncer contre, bon, je sais même plus comment il s'appelle, désolé. Bon, du coup on est parti sur un Banjo DK, le DK est déjà 90%, Banjo qui met un bon F-Smash, le DK qui arrive à revenir, oh, qu'est-ce qu'il fait le Banjo, ok. Bon F, bon fer, bonne grenade. Le désavantage. Vas-y, allez. Et je viens t'aider pour rejoindre à casse, donc ouais. C'est Sarasa. Donc on a un Donkey Kong contre Banjo. D'ailleurs, fun fact, hein, Pico, pour en arriver là, il a upset notre très cher Az. Trop fort. Ouais, non mais surtout Fox DK, c'est pas un match-up où je pense que tu t'amuses beaucoup. Non, Fox est trop rapide pour le coup. En tant que Donkey Kong, donc franchement, grand respect à lui. Pour l'instant, bah, on a quand même une belle petite avance du côté de Kington. Avec presque une sorte d'avance. Ah non. Bon, je pense que c'était la panique qui nous s'est foutue, mais dommage. Le Banjo est un avantage pour le moment. Oh bon, bon side B. Bon side B. On a vu qu'on aimait bien abuser parce qu'il me semble que c'était comme ça qu'il a eu juste avant des landings avec certaines hitbox. Et du coup, bah, Banjo il a une option comme ça très forte pour le punish qui est le Wonder Wing. Parce qu'on est invincible et on met une patate de forain. Même si on s'appelle des cas, on s'en fait des. Voilà. Alors là, c'est gourmand. Oh, c'est gourmand ça. C'est gourmand parce qu'en plus, là, 100%, ça fait deux fois qu'il. Qui perd le stock et oh, ça aurait pu tuer. C'est... Oh bah voilà. Voilà, encore une fois, comme à la deuxième stock, on met un aérial pour bourrer et on s'est intercepté. Donc la fois d'avant c'était à la Wonder Wing, ici là c'était au F-Smash. Des bonnes punitions globalement. Du coup, on remarque une habitude de l'adversaire et on punit. Donc bien joué de Kilo Crimson. Ah bah d'un côté on a un perso qui est épais sur certains de ses coups avec Kazooie, avec le Dantit, le back air, le forward smash, le up smash, il va perdre. Et d'autre côté on a un gros Donkey Kong qui aime bien taper tout le temps, donc ça se fait punir. On a un Mii. Oh, on va sortir un Mii Brawler du côté de Pico. Oh ça va être intéressant ça, ça va être déjà plus sympa. Pauvre Kazooie quand même qui se fait maltraiter. Oh. Pas le souci à maltraiter son oiseau. Franchement, il va s'en plaindre. La SPA, la PETA. Envoyer ces animaux se battre, franchement, je trouve que c'est une bonne idée. Oh, c'est comme Pokémon quoi. Ah bah voilà. Non, mais c'est. Mais c'est vrai que le principe des meilleurs amis, je connais pas leur Banjo Kazooie, hein, mais des meilleurs amis, j'en sais rien, de leur relation, où t'as Banjo comme ça, il sort Kazooie sur ça, qui fait boum. Et puis quand Banjo il en a marre et il court sur le dos de Kazooie, ouais. Ou sinon il le range dans son sac juste. Oui, mais ça c'est mignon, c'est pour transporter, c'est comme un petit bébé. Parce que tu sais, avec le petit sac pour transporter le petit bébé. Ça c'est mignon. Alors pour le nerf, upper et tout ça, c'est mignon. Par contre pour le smash, c'est vraiment, c'est non. Oui, c'est tapé. Ça. Mais t'imagines en plus, genre, on voit ce que c'est la patate de forain du forward air de Banjo. Imagine comme Kazooie doit se faire fracasser le crâne à chaque fois. Ah non, mais le pauvre. Le pauvre. La pauvre, elle va se faire. Non. Part sur Smashville. Okay. Smashville, un terrain qui est assez avantageux pour les honneurs, surtout qu'on a vu. Pico qui aimait bien faire des gros landings aériens, donc comme on a d'un côté Pico qui aime bien venir faire des gros landings aériens, avoir cette plateforme centrale ça peut être très avantageux pour lui, puisque bah, si Crimson contrôle la plateforme centrale, il peut s'y mettre en dessous pour se protéger de certains landings, et juste bah, il fait comme avant des entières ou ce genre de choses pour punir très violemment, et en plus bah, cette plateforme centrale là, il se met sous le centre et bah vas-y, bonne chance pour accrocher.
Qui est quand même très agressif. Il a mis un mi-brawler sans projo, donc bien sûr qu'il va pouvoir être agressif. Il va pouvoir être agressif. Mais il a mis le multi-punch, il a pas mis le bruit de canon. On a mis le boulet de canon, on a mis le flip kick. On a mis le thrust uppercut, ça c'est évident. Et en down B, je sais pas ce qu'on. En side B, je sais pas ce qu'on a mis. Mais là on a une game qui est. Alors je sais plus, j'avais plus trop regardé le début, mais plus du tout dans la même dynamique. On a une belle avance du côté de Pico. Bon, et encore une fois, on fait un aérien, on fait un coup pour land en bourrant et on se fait punir par un Wonderwing. Dommage, il y a eu un grab qui a été tenté de la part de Kilo. Oh, très jolie grenade, très belle utilisation de la grenade. Je sais pas si c'était volontaire ou pas pour se sortir du thrust uppercut. UB. Et attention, ah, ça faut shield, ça tue shield et tu punis derrière, c'est trop gratuit. Encore une fois, encore. Ça fait trois fois qu'il le fait. Il s'est pas fait punir la dernière fois, mais il s'est fait punir les deux autres fois d'avant. Faudra peut-être faire attention. Ok, bien joué. Ouais, c'est une bonne option en top shield, hein. Ça tue bien, ça. Allez, le dance pro. Voilà. 2-2, 0%. Okay. Pas le centre. Mais non, c'est pas qui roule, le type va pas tuer, je suis bête. Donc là, cette fois-ci, on a un Crimson qui cherche pas forcément à contrôler le centre du terrain, qui va rester loin et zoner avec ses. Ah bah voilà, là, il commence à le contrôler. Avec ses grenades et ses. Notre AB. Notre Oui, Backer aussi. J'ai le Backer. Oui, non, grenade, Backer, notre AB, oui, c'est vrai. Pour empêcher Pico d'approcher, et là, on voit que c'est relativement efficace puisque bah, Pico a déjà 50%. Pico a pris 50%. Là où, bon, où Crimson, on a pris que 20. Et oh, ça, c'est dommage quand on. Quand on finit ça, on a du mal à trouver les bons combos starter du côté de Pico. Et encore, alors c'est Crimson qui a raté sa punition, mais encore une fois, on sort du désavantage avec quoi? Avec un coup. Il faudra vraiment faire attention là-dessus, Pico, pour penser à mix-up. Ouais, up smash encore. Ouais, c'était un up smash whiff du côté de Pico, je crois. Je sais plus. Je m'en souviens plus non plus. Mais il y avait une phase de désavantage pour Pico où il était. Ah, ok, c'était peut-être encore un entier. Et on aime bien la grenade. Oh, dommage. Il y avait une bonne idée avec le fer qui spike. Et ça spike pas le fer chez Banjo et. Non, c'est dedans l'air. Le fer il spike pas, c'est comme de Clarence, c'est juste une grosse patate. C'est une grosse patate, ouais. Je pensais que c'était comme Air Mario. Ouais. Non, c'est juste une grosse patate. Ce qui spike, c'est le dedans l'air. Et qui spike bien. Il faut mettre certaines box. Et donc là, on a cette fois-ci une stock complète du côté de Pico. Et attention, est-ce qu'on va avoir un dans B? Oui, on a encore eu un dans B. Alors c'était peut-être cette fois-ci une tentative de grave le ledge manqué. Mais on a toujours un Pico qui est très très agressif dans son stratège d'avantage. Et qui utilise beaucoup ce neutral B pour essayer de catch une potentielle. Ouais, encore une fois, Pico, on l'a dit. Si tu regardes cette VOD, arrête de taper en désavantage, c'est punir.